Dans l'actualité également, la ville de Charleroi, comme vous ne l'avez peut-être jamais vue, grâce à une technique photographique particulière, ce jeune Belge a publié une vidéo qui a été vue plus de 100 000 fois en quelques heures sur Internet. Et puis, dans les coulisses... La vidéo a été vue plus de 100 000 fois en quelques heures sur Internet et elle est l'œuvre d'un Belge, il s'appelle Jérôme Derez. Il a voulu mettre la ville de Charleroi en image grâce à une technique particulière, l'hyperlapse. Je ne vous en dis pas plus, on découvre ensemble les images avec Sarah Hendricks. Charleroi, sous toutes ses coutures. Des quais de Sambre aux terris, en passant par le street art et les quartiers rénovés, 120 secondes visionnées plus de 100 000 fois en à peine 48 heures sur les réseaux sociaux. À la réalisation, un jeune blogueur voyageur revenu de chez nous après un an passé au Canada. En revenant en Belgique, j'avais envie de découvrir mon pays. Et comme Charleroi n'est pas très loin de chez moi, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire un hyperlapse sur Charleroi et de montrer l'évolution de la ville, vu qu'elle n'était pas... Avant que je parte au Canada, elle n'était pas comme ça, donc j'ai pu admirer l'évolution, et j'ai voulu mettre ça en image, pour peut-être voir de nouveau l'évolution dans 10 ou 15 ans. L'effet si particulier de la vidéo est en fait rendu par une succession de photos prises à des endroits différents. C'est ce qu'on appelle un hyperlapse, une technique qui demande un travail très minutieux. Il faut 25 photos pour avoir une seconde d'image, et donc je vais prendre ma photo, je vais juste un petit peu me déplacer et reprendre une autre photo, ainsi de suite. Et essayer d'en avoir 50 ou 75 pour avoir 2 ou 3 secondes d'image. Ici, pour 2 minutes, j'ai pris 3000 photos et j'ai tout tourné en 11 heures. Pour arriver au résultat final, reste un travail conséquent derrière l'écran d'ordinateur. Un vrai plaisir pour se diplômer en art numérique. J'ai mis environ 9 heures pour toute la partie de post-production. Ça, je dois vraiment pouvoir travailler la colorimétrie de mes images, stabiliser les images et ensuite vraiment faire le montage. Jérôme n'en est pas à son coup d'essai. Véritable globe-trotteur, il tient un blog sur ses différents voyages depuis 5 ans. Avec cet hyperlapse réalisé à Montréal en hiver comme en été, ce Belge du bout du monde avait aussi fait parler de lui. C'est une technique qui permet de mettre en avant les destinations d'une nouvelle manière. Et ça donne vraiment un côté... Ça sublime les images, ça sublime la destination. Mon job de blogueur, c'est de donner envie aux personnes qui me suivent de pouvoir voyager, de franchir le pas et de montrer qu'on peut voyager avec très peu d'argent et sans spécialement avoir peur de toutes les destinations qu'il est possible de voyager en solo. Jérôme a la bougeotte. D'ici un an, il devrait repartir pour la Nouvelle-Zélande et espère bien utiliser ses vidéos réalisées chez nous pour faire découvrir la Belgique à l'étranger.